كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام نانيو جامو يالا تي باي بار بارلو بي تي باي بوبي تي جيما خاملو يالا خام نانيو كاي جامو واي دي دوغال دي ген تي درال سلام مين تي كين سيغيو لا بيرمي نغ سيغي سي دارو غور يي سو لغي دا داجي كو خامني في اوقات فا جارين دار كين ريك لا موي بريزيدان با موي شيز با موي اوقات با moy procureur ba deug mo fay avocat deug lay yott te yalla bu mu xamni ci moy jagal avocat bi gagna mu la baynal deug de ñu jamu yalla te bay pomi te bay katan yi ñi denk nit ñu fa ko jox ñu di seen doley bop yalla baxé len jité len suñu kanam ñu fa doley jox len ñu wal ba ci ko teug ko ganna di ko re jam yalla di deug jamu len yalla te ngeen bay taxal signification c'est que notre pays vit des moments graves de son histoire politique. Il n'y a guère longtemps, lorsque j'ai parlé de mercenaires, on m'a fait des procès d'intention. Il fallait agir vite avant que le sang ne soit versé par des mercenaires étrangers. Il lui reste à exercer la violence par le recrutement de jeunes innocents, souvent d'ailleurs qui ne connaissent pas les missions pour lesquelles ils sont recrutés. Et je pense que le ministre de l'Intérieur est mal placé aujourd'hui pour intervenir dans ce débat. D'abord, ce n'est pas le procureur de la République, ce n'est pas lui qui fait la loi, ce n'est pas lui qui rend la justice. On l'attendait dans la sécurisation des personnes et des biens. Et c'est là où il a échoué, puisque depuis quelque temps, les signes annonciateurs d'une violence étaient perceptibles. Et l'État n'a rien fait pour empêcher cela. Au lieu de parler des conséquences, il faut d'abord s'attaquer aux causes de cette mort. Et les causes, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été instrumentalisés, qui ont été mis en condition de devoir provoquer et de devoir tuer. Pendant que la responsabilité incombe au premier chef, à ce responsable du PNR, aux responsables de l'État qui ont laissé faire et qui ont été des complices. Et il faut que la justice effectivement se fasse, que tous les commanditaires soient identifiés et traduits devant la justice. Maintenant, nous apportons notre soutien à Barthélémy Diaz, qui s'est défendu. Peut-être que s'il ne s'était pas défendu, c'est autre chose. Cela pour autre chose. Alors, nous nous mettons en garde solennellement le gouvernement et le président de la République. La sécurité des Sénégalais leur incombe. C'est à eux de créer les conditions de sécurisation et de pacification du climat politique. Hier encore, notre jeune a fait l'objet de menaces. Ils ont été chez Abdou Mo, nuitamment, pour provoquer. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont entamer la détermination des Sénégalais et de l'opposition. Ils se trompent. C'est peine perdue. Par conséquent, Jean-Paul, je vous apporte tout le soutien de la coalition Macky 2012, mon soutien fraternel et personnel. Et nous sommes avec vous dans ce combat, avec vos jeunesses, avec le Parti Socialiste également, puisque Barthélémy est responsable du Parti Socialiste, et avec tout le peuple sénégalais debout qui refuse de courber les genoux et qui restera debout droit dans ses bottes. Je vous remercie.